Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment transformer les tomates en produits finis et les emballer. Nous allons parler de deux sortes d'emballages. Nous allons parler d'emballage en sachet et emballage en plastique. Alors, restez jusqu'à la fin pour en profiter de cette vidéo. Nous allons vous montrer des machines, les prix des machines, où payer les machines. Vraiment, ça sera très, très, très important pour vous. Alors, restez jusqu'à la fin pour vraiment profiter. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne journée. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de vous parler de business de l'industrie des tomates, des transformations des tomates. Pourquoi? Parce que chez nous, en Afrique, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens, c'est la majorité des personnes utilisent dans les cuisines, c'est les tomates pour faire des sauces. Nous avons toutes sortes de sauces en Afrique et fabriquées par des tomates. Alors, les tomates sont vraiment très, très importantes dans la vie quotidienne d'un Africain. C'est pour cela que nous voulons vous montrer comment nous pouvons conserver ces tomates-là et les mettre dans des plastiques et dans les emballages. Comment nous pouvons transformer ces tomates-là afin que nous ne puissions pas perdre les tomates que nous cultivons. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous parler de la transformation des tomates vraiment brutes en tomates de purée ou bien en tomates en boîte ou en sachet. Alors, si la thématique de cette chaîne vous intéresse, ici nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Si cette thématique vous intéresse, nous vous demandons de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Alors, si tu es là pour ta première fois aussi, nous avons un e-book gratuit sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Alors, vas-y sur la barre de description, télécharge notre e-book et vraiment contacte-nous sur le WhatsApp parce que nous avons un groupe WhatsApp aussi. Si tu veux intégrer le groupe, contacte-nous sur notre numéro WhatsApp qui est sur la barre de description. Comme ça, on pourra vous faire intégrer sur le groupe WhatsApp. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre industrie. Alors, ici, nous voyons qu'il y a des tomates qui sont en train d'être procédées. Ici, vous avez pris les tomates à partir de votre champ ou vous payez les tomates. Donc, ici, nous n'obligeons pas aux gens qui commencent cette industrie d'avoir une ferme ou bien les champs des tomates, une culture des tomates. Vous pouvez commencer à payer ces tomates déjà directement chez les revendeurs des tomates, des gens qui ont des champs. Et par après, vous prenez ces tomates, vous les amenez dans votre usine. Quand vous amenez ces tomates dans vos usines, vous voyez comment ces tomates sont en train d'être lavées. Ça, c'est notre première partie de l'usine, quoi. Donc, laver les tomates, parce que quand vous cultivez les tomates, ça vient avec du poussière et les sables. Alors, pour les mettre dans les processeurs, pour les nettoyer, pour les broyer, d'abord, avant de les broyer, il faut d'abord les laver. Alors ici, cette eau, c'est l'eau pure qui lave ces tomates. Donc, vous voyez là, les messieurs sont en train de remplir les tomates manuellement. Mais il y a aussi possibilité de les remplir avec des machines automatiques. Ça dépend de votre capacité de l'usine. Donc, si vous avez peu de moyens, vous pouvez les faire manuellement. Mais si vous voulez les faire automatiquement, le lavage et les remplissages des tomates peuvent être faits, accomplis aussi automatiquement. Ici, nous voyons qu'il y a des gens, il y a des employés qui sont en train de classer les gens ou bien les sortes de tomates. Ils sont en train de classer des tomates qui sont un peu rouges, les tomates qui ne sont pas trop rouges et les tomates qui sont vertes. Alors, et par après, ils les mettent dans cette broyeur ici. Cette broyeur ici va broyer ces tomates qui sont déjà lavées et les tomates rouges qui vont nous donner la sauce. Donc, il va séparer les tomates et les jus de tomates. Donc, c'est ce que ces broyeurs vont faire. Donc, la peau de tomates et les jus de tomates. Ces broyeurs vont broyer ces tomates-là. Comme vous voyez, ça va faire la séparation de la peau de tomates et des jus de tomates. Ceci vous montre aussi comment vous devez construire votre industrie ou bien usine des normes vraiment très très strictes, parce que avec ces machines, comme ça prend beaucoup de la chaleur, l'élévation de votre usine doit être au minimum 6 mètres d'élévation pour laisser de l'espace aux machines de respirer. Donc nous avons vu que cette machine, on appelle ça les scruders, donc c'est les broyeurs. Vous voyez comment ça broyer, ça nous donne les jus de tomates. Donc, ça séparer
les tomates, la peau de tomate et les jus de tomate. Donc, ça nous a donné deux sortes de produits. Donc, ça c'est les jus de tomate que nous voulons avoir. Donc, ça jette la peau de tomate à gauche et ça vous garde les jus de tomate. Alors, ici, donc, vu que vous avez beaucoup de travail, vous avez besoin de gens qui vont commencer à vérifier la qualité des tomates qui vont être broyées. Ici, nous voyons que c'est les mixeurs. C'est un tonneau qui mixe ces jus de tomates. Ici, c'est là où vous pouvez ajouter vos ingrédients, vos propres ingrédients. Par exemple, si vous voulez faire les ingrédients, vous voulez ajouter les gingembres, vous voulez ajouter les sels, vous voulez ajouter les piments. Maintenant, ces mixeurs ici, ça a un moteur qui chauffe les jus de tomates. C'est là où vous avez vos propres mixeurs, ça va mixer, ça va chauffer pour concentrer ces jus de tomates, afin que ces jus de tomates puissent devenir des jus concentrés en tonnes. Donc ces mixeurs aussi sont payants sous forme de tonnes. Ça dépend de si vous voulez 1 tonne, 3 tonnes de jus de tomates. Et par là, ça va chauffer ces jus de tomates qui vont maintenant être sous forme de pâte. Donc cette formule-là va vous permettre à concevoir vos tomates pour au moins maximum 2 ans. Donc, c'est pour ça que vous devez passer sur cet mixage. Ici, nous voyons, ça, c'est le filling, donc les remplissages de tomates. Ici, vous avez les remplissages les plus moins chers. Donc, c'est quatre bouteilles à la fois. Donc, ces bouteilles sont connectées avec les tonnes que vous avez vues là où il y a les tomates qui sont déjà mixées en pâte. Et vous mettez les bouteilles. Donc, si vous avez regardé nos vidéos précédentes, nous avons montré comment fabriquer les bouteilles. Ici, c'est à vous de choisir quelle sorte de bouteille vous voulez pour votre industrie. Ça, c'est une machine qui s'appelle machine de remplissage horizontale. Donc, cela veut dire cette machine va remplir 4 bouteilles et à partir de là, vous allez mettre les bouchons et vous allez mettre vos propres emballages. Donc, à partir de cette machine, nous voyons que c'est une personne qui est en train de mettre les bouteilles manuellement et la machine remplit automatiquement. Et si vous voulez aussi, il y a d'autres machines dont les bouteilles sont mises automatiquement. Donc, tu n'as pas besoin d'une personne là pour travailler et les machines sont remplies automatiquement aussi. Et par là, vous voyez qu'ici, ils ont connecté cette machine de remplissage avec les machines de capuchon, donc qui va mettre les bouchons. Cette machine met des bouchons automatiquement, ça ferme des bouchons. Il y a une autre personne qui voudra aussi fermer les bouchons lui-même manuellement. Ça dépend de votre capacité de la production de votre usine. Alors, vous voyez que cette machine, ça met des bouchons, ça a au moins une capacité de 8 places pour des bouchons. Et ces bouchons sont remplis automatiquement. Ces bouchons, vous devez les payer séparément aussi. Donc, après avoir fermé les bouchons, vous voyez au-dessus, là, c'est là où les bouchons descendent. Et les bouchons sont pris quelque part là en bas. Il y a la boîte de commandes qui peut vous aider à stopper, à ralentir et aussi fermer les bouteilles. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous mettez les bouchons, ça vous aide à ne pas fermer les bouchons vous-même manuellement pour risquer de ne pas avoir de bonnes bouteilles. Comme vous voyez là, il y a différentes sortes de bouteilles. Ici, ces bouteilles vraiment sont très bien faites pour les tomates ou les ketchup. Donc, ça dépendant de vous. Donc, ici, ce sont les bouteilles pour les ketchup. Et ici, vous voyez que ces bouteilles, nous sommes en train de mettre les bouchons automatiquement pour être sûr que les bouteilles sont bien fermées. Et après l'étape de remplissage des bouteilles avec les ketchup que vous avez déjà formé, ici, nous voulons voir comment ils vont mettre les emballages. Donc, il y a deux sortes des étiquetages. Donc, vous pouvez engager une personne qui sera debout, qui va mettre les étiquettes manuellement. Là, ça va vraiment vous aider à économiser beaucoup sur les machines d'étiquetage, car les machines d'étiquetage coûtent cher. Alors ça, nous passons maintenant au deuxième type d'emballage. Donc, c'est l'emballage en sachet. Parce que nous savons qu'en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui peut payer les tomates ou bien les ketchup en bouteille. Nous devons aussi attaquer la moyenne classe. Et ici, pour les emballages en sachet, vous devez faire ces emballages ici. Donc, vous payez d'abord cette machine d'emballage en sachet. Et vous
partez chez un designer qui fait les logos, bien qui fait les emballages, qui va vous faire un rouleau d'emballage comme ça de votre produit, ou bien de votre logo. Et comme vous voyez, cette machine remplit les tomates ou bien les ketchup dans cet emballage-là en sachet. Et vous pouvez décider de les vendre en 6, en 12, en 24, ça dépend que de vous. Ici, vous voyez que ça, c'est les tonneaux là où vous allez remplir votre tomate ou ketchup. Ici, c'est là où vous devez commencer à stocker ou bien garder vos tomates à partir du champ. Donc, quand vous prenez les tomates à partir du champ, vous les amenez ici et vous devez payer les palettes comme ça, comme vous voyez. Et cet outil aussi engin, ça va beaucoup vous aider pour les transports de ces tomates-là. Donc ici, je voulais vous montrer comment cette machine des emballages en sachet vient. Donc à droite, c'est le rouleau blanc. Donc quand vous payez cette machine, à droite là, c'est le rouleau blanc. Ces rouleaux blancs là, c'est juste l'exemple que les fournisseurs vous montrent comment cette machine fonctionne. Donc à partir de là, vous allez mettre les speeds, donc la rapidité, combien de rouleaux, bien combien de machines, combien de paquets hein, vous voulez produire. Et vous pouvez aussi régler les sizes, donc la taille du paquet. Donc ça peut être, par exemple, 5 grammes, 500 grammes, 1000 grammes. Donc, c'est comme ça que ces paquets vont sortir. Donc, ça, c'est juste un papier qui a été mis là comme rouleau. Maintenant, ces rouleaux-là, imaginez-vous, c'est ça qui sera votre emballage. Donc, il faut imprimer emballage de rouleau. Cet emballage-là va commencer à emballer vos produits. Et au-dessus, les tonneaux, les petits tonneaux que vous voyez là, vous allez connecter ces tonneaux avec votre grand tonneau, là où il y aura votre ketchup ou bien votre tomate en pâte. Tu vas commencer à remplir ces tonneaux et quand vous appuyez les boutons, cette machine va commencer à produire des chassés de tomates ou bien des ketchup en chassé. Et cette production va dépendre de la rapidité, comment vous allez régler cette machine. Et comme j'ai dit, vous pouvez régler par exemple, vous voulez avoir 50 chassés par heure, 100 chassés par heure, 1000 chassés par heure. Et aussi, ça dépend de la capacité, de la grandeur de la machine. Comme cette machine ici, vous voyez, c'est juste brancher sur une prise de un phase, et cette prise là va connecter à la machine et cette machine a des petits pinets. Cette machine peut être transportée ou bien déplacée rapidement. Vous voyez les prix d'une machine de tomates manuelle qui a 2000 $ et les prix d'une machine automatique que nous venons de voir qui vient aux environs à 25 000 $. Donc les prix, par là, je voulais vous dire que les prix diffèrent. Donc, par rapport au prix que vous voyez là, une machine automatique que je viens de vous montrer ici, les prix commencent à 25 000 $ et au-delà de 25 000 $. Donc, vous pouvez trouver aussi une machine. Donc, mais une bonne machine automatique ou bien semi-automatique commence au-delà de 50 000 $ et monter. Mais si vous voulez une petite machine de transformation, juste des petites tomates à la maison, Vous pouvez dépenser aux environs 4 000 $. Donc, vous payez 2 000 $ pour une machine de broyage et 2 000 $ pour une machine de mettre les paquets sur les paquets enchâssés. Vraiment, si vous avez aimé la thématique de cette vidéo, contactez-nous sur notre WhatsApp. Nous voulons voir vos commentaires aussi sur cette vidéo pour voir si vous avez aimé ces machines ou vous avez aimé cette vidéo. Regarde notre numéro sur la barre de description de notre chaîne. Afin que tu puisses nous contacter sur WhatsApp si tu as des questions. Alors, nous allons nous voir prochainement.